Le désarrêtage, un travail de précision pour un produit de qualité. Chez Malnoux, depuis un an, on s'est lancé dans le fumage de la truite au laurier. Acheté dans les Hautes-Pyrénées, le poisson est salé au sel de salis avant d'être fumé et assaisonné au piment. On va sortir les truites du fumoir qui ont passé la nuit et on va les amener au séchoir. Conditionnée suivant la demande de la clientèle, la truite fumée est vendue dans les magasins de producteurs et les restaurants. Un produit artisanal haut de gamme. Nous, aujourd'hui, on se différencie vraiment par le séchage. On va coupler donc le salage et un séchage un petit peu plus prononcé, un petit peu plus long et plus en profondeur pour avoir une texture beaucoup plus harmonieuse et un petit peu plus onctueuse. On est sur un produit qui est un peu moins cru et qui va donc apporter une texture bien différente au produit fini. Connue pour son piment fumé, la maison béarnaise s'est retrouvée à l'arrêt avec la fermeture des restaurants pendant le confinement. La truite a donc été une véritable opportunité pour mettre en valeur le savoir-faire de l'entreprise. Du piment peut partir et faire plein de choses grâce au processus que nous, on a mis en place. Le séchage et le fumage nous permettent vraiment d'élargir notre gamme. On a travaillé sur des processus très particuliers et qui s'adaptent à d'autres produits. Le plus dur, ça a été de les adapter au piment, en fait. Puisque c'est un piment, c'est un fruit qui est gorgé d'eau, il a fallu le sécher, mais à basse température, c'est très long, et mettre un système de séchage très particulier. Et le fumage à froid. Le succès est aujourd'hui au rendez-vous. La demande en truite fumée a été ainsi multipliée par 5 en un an. Le brevet de fumage à froid Malnoux s'exprimera très bientôt dans une gamme de charcuterie fumée au bois de figuier.